Ah, bah ça a sauté. Si, ça revient. Allez, salut tout le monde. Je vais tester un petit jeu ce matin qui s'appelle Metro Sim Hustle. Salut Vincent. Mais je crois qu'en fait, il y a un gros malentendu sur le jeu. Le jeu s'appelle Metro Sim. Et puis en plus, il est vraiment donné comme étant une simulation. Moi, j'ai vu ça en fait sur, comment dire, ma petite plateforme en fait qui permet de mettre en relation les éditeurs et la presse ou les youtubeurs. Je vois ça et en fait. Metro Sim avec un petit gif animé où on voit quoi à l'intérieur d'un métro. Du métro quoi, le véhicule. Et je me dis ouais cool, une simulation de métro. Ah oh, bah je vais demander une clé pour voir. Ah bah je pense qu'en fait il y a une gros... y a un gros malentendu. Je ne sais pas du tout ce que c'est que ce jeu. Je le découvre un petit complètement avec vous. On est dans une... on se promène dans la rue en fait et... Voilà, bah il y a des gens qui font de la breakdance là. Et je sais pas du tout ce qu'il faut faire. Alors elle, depuis tout à l'heure, elle tourne en rond. Elle glisse sur le sol. Il y a des bagnoles de flics un peu partout. On commence en fait. On est complètement lâché dans la nature. Salut le simulateur du dimanche. Je sais que j'ai un téléphone avec la touche P où je peux commander des pizzas, mettre une alarme pour me réveiller, avoir des rendez-vous. Il y a un Snapchat. Pourquoi pas? Chat with Erika. Non, j'ai pas envie, non. En fait, le truc, c'est qu'il n'y a pas de tuto et je comprends que dalle au jeu, tout est en anglais. Ça, c'est une clinique, on dirait plutôt une boîte de nuit. Hein. Quand je m'approche, il y a un son sourd. Graphiquement, le jeu est pas mauvais. Hein. Ça tourne sur Unity, il y a un petit environnement plutôt sympa dans le monde de la nuit. Please use detour, ok. Mais je sais pas du tout ce qu'il faut faire, en fait, c'est le gros problème. Je sais pas s'il y a des gens qui ont déjà joué à ce jeu-là. C'est Robert. Voilà, en fait, quand on spawn, je crois, on est là. Ouais, là-dedans. Toc. Donc, je vais aller faire un saut vite fait. Salut, Tartoon. Voilà, le jeu commence là-dedans. On est dans une espèce de cave, là. Hop. Et déjà là, en fait, je me suis dit, ok, c'est pas un jeu de métro. Et en fait, visiblement, on habite ici, quoi. On a une douche. C'est logique, hein, d'avoir une douche dans la cave. On a un matelas tout crado, en fait, je crois qu'on est un clochard, en fait. J'ai l'impression que c'est une simulation de clodo. Je suis pas sûr, hein, mais... toilette, ok. Est-ce que je peux prendre une douche? Prends une douche. Je peux. J'espère que ça va pas être... Non, ça va. On voit rien. Ok, et apparemment, dans la partie supérieure, il y a un petit bandeau avec donc énergie, sanity, blader, hygiène, nutrition, hydratation. Donc là, il faudrait peut-être que je bouffe et que je m'hydrate. J'ai rien. Non, j'ai rien à bouffer ni à boire, donc je sais pas ce qu'il faut faire. Bon, j'allais faire un tour dehors. La rue, c'est par là. Ok, bon, on y va. Hop. J'aurais peut-être dû lire la fiche du jeu en fait avant de le demander. Alors il est 4h36, Callan Metroplex. Ok. Salut Geekness. Ladder. Ok, une échelle. Qu'est-ce que ça fait dans l'échelle? On va aller dans les sous-sols. Dans les égouts. Ouais, dans les égouts. Ah cool, touche F. Comme dans tous les jeux, on a une petite toupiote. Mais alors, ne me demandez pas ce qu'il faut faire. Est-ce qu'on a une map? Touche M, non? Non. Tab? Ah! Non, pas de map pour les égouts. D'accord. Oh! Vas-y, prends. Toc, un truc pour crocheter les serrures. Bon, je fouille, hein, je fais comme chez moi, je sais pas où je suis. Je ne sais toujours pas le principe du jeu. Est-ce que quelqu'un peut aller sur la fiche Steam du jeu pour me dire ce qu'il faut faire? Sérieux? En fait, je m'attendais pas à ça. Hein. J'ai lancé le jeu juste à... Je me suis dit, tiens, je vais vous faire un stream sur une simulation de métro. Je lance le jeu, je lance Streamlabs, je me mets en stream et en fait, quand j'ai spawné, j'ai fait, ok, c'est pas une simulation de métro. Merde. Le jeu est sympa quoi, mais en fait je vais pas me promener pendant 4 heures comme ça. Ah,
Hop là, là y a rien là-dedans. Bon, je vais fouiller, hein, je continue, hein. Ah, tiens, bah tiens, j'avais justement besoin de m'hydrater. Très bien. Alors comment je fais pour prendre un truc de mon inventaire? Ah bah attends. Contrôle, inventaire, touche I. Ah ouais, je suis vraiment un clodo, quoi. Bah on va se bouffer une petite barre de céréales. Hop, ok, ça me rajoute qu'une toute petite barre. Une bière. Je vais peut-être pas boire une bière quand même. Hop. Ah, j'ai mon hydratation qui remonte. Sympa, le mec il rote. Merci, Mister Doudou. Alors, prenez les rênes d'un train de banlieue souterrain alors que vous frayez un chemin jusqu'au sommet de la ville pleine d'immobilier en vogue. Ouais, donc on est censé quand même conduire un train quelque part. Essaie déjà de trouver le métro. Mais, Vincent, je suis un clochard dans le jeu. Je vais pas m'inventer conducteur de métro. J'habite dans les bas-fonds d'une ville, quoi. Je comprends pas. Ok, on va essayer de trouver le métro. Bah écoute, hein, vas-y. Je sais pas où est-ce qu'on peut trouver. Ah, si, regardez, regardez. Located. Ah putain, j'ai pas eu le temps de voir. Ok, donc on va essayer de se trouver un métro. Je ne sais pas où ni comment. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Inventaire. Oui, on verra plus tard l'inventaire. Moi pour l'instant, bah attends, c'est peut-être marqué là-dedans. Ah bah tiens. Alors. Excusez-moi, mais là je vois pas de métro hein, pour l'instant. Il y a des boutiques. Je peux même pas zoomer sur la map. Non. Ah si, Calan métro. Ah bah tiens, c'est juste devant moi en fait. Ce serait ça? Ah ouais. Ah mais il me faut de la thune. Current licence A. Ah donc je suis vraiment un conducteur de train, de tram, pas de métro. Bon on va essayer hein. Ah, je vois que les remerciements pour Vincent commencent à tomber. Tu m'étonnes, vu le beau boulot qu'il fait. Et... ça y est, je suis dans le métro. Bon bah ok, on est dans une simule métro. Enfin, je sais pas. M pour accélérer. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Attends, parking brake. Comment on enlève le frein de parking? C'est quoi ça? Emergency brake. Alors on n'est pas dans Train Sim World, non? On est même dans rien du tout. Comment on accélère? Ouvrir les portes. Belle. Oui, enfin, stop. C'est bon, c'est bon. Parking brake. Ok, donc j'ai enlevé le frein. Accélérer. Touche M. Ah si, on a un petit levier là. Ah. Alors attends, offre la possibilité de naviguer en eau trouble en fréquentant des débits de boissons, des salles de jeu. Mais j'ai vu ça en fait. Le jeu est catalogué RPG. Bah moi sur mon... l'éditeur c'était marqué, il y avait un hashtag simulation quand même. C'est du RATP cyberpunk. Ouais c'est un peu ça. J'ai vu, hein, il y avait une salle d'arcade et tout, mais j'ai pas pu rentrer tout à l'heure. Il me demandait de payer 20$. Ou non, ça c'était pour la boîte de nuit. Ah, make sure to give the... D'accord, donc il faut que j'appuie. Ouais, mais comment je freine par contre? Attends, stop. Je voudrais freiner en fait. Putain, je sais pas freiner. Oh putain, les gars, je suis mal. Attends. Contrôle. Espace. Ok. Oh putain, ça freine bien en plus. Ah. Oups. Vas-y, on va essayer de s'arrêter. Hop, stop.
Alors, comment on ouvre les portes? Il doit bien avoir un raccourci clavier, non? K. Je peux pas changer la vue? On n'a pas un truc pour changer parce que là j'ai besoin de voir quand même. Non. Bon, bah je sais pas si j'ai les passagers qui montent. J'ai pas de caméra, rien. Doors open. Passager 0. Ah oui, bah je voudrais qu'ils montent en fait. Open doors. Ah, faut peut-être que je mette le frein à main. J'en sais rien. Putain, je comprends rien. 7 destination. Ah! J'ai rien compris. Appelez la sécurité. Qu'est-ce que c'est que ce jeu? Oh putain. Je comprends rien. J'aimerais pas être dans ce train avec un clodo qui conduit. Mais trop. Tu ne t'es pas arrêté au bon endroit? Bah, je sais pas, il y a le truc par terre. Il y avait un petit trigger par terre, je me suis... Écoute, tu sais quoi? Je vais continuer. Ah oui, t'as raison. Donc faut que j'avance encore un peu, tu crois, pour vraiment déclencher le truc. Alors, attends, porte fermée, breaking machin, donc on va, hop, on va le sauter. Et tu penses qu'il faut que j'avance un tout petit poil. Stop zone, exactement. Putain, dis donc, c'est hyper précis en fait. Ah ouais, ça y est. Des passagers montent. Putain, si on pouvait avoir des compteurs comme ça dans le métro. D'accord, bah c'est bon, tout est... Salut Jamie. L'ambiance sonore, n'empêche, elle est pas trop mal. Quand on était en extérieur des bâtiments, quand t'avais l'espèce de techno et tout, là, dans... ça rendait plutôt pas mal. Et là, moi, je sais que le son est un peu bridé sur Twitch, mais moi, dans les oreilles, là, c'est pas mal. Hein. C'est peut-être un peu fort, d'ailleurs. Attends. Si je pouvais mettre un petit peu, tout petit poil moins fort. Ah, il faut que j'appelle la sécurité. C'est comment le son pour vous? Parce que moi ça me gueule quand même pas mal dans les oreilles. Setting. Audio. Waouh. Pourtant j'ai déjà baissé. Hein. Je suis en retard. Où est-ce que tu vois ça? J'ai même pas fait gaffe. Pourquoi je peux pas. Hey, il se barre en arrière. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Stop zone, hop, je peux ouvrir les portes? Ouais. Accélère. Bah, peut-être que je ferme mes portes d'abord, non? En fait, c'est à nous de gérer les arrêts. Je viens d'entendre la bonne femme qui me dit qu'on va à Riverdale Terminal. Et en fait, tout à l'heure, j'ai appuyé sur le truc là, Riverdale Terminal, c'est marqué là. Mais c'est-à-dire, est-ce qu'il faut que je m'arrête? C'est quoi? C'est un clodo? Ah, il fait un coucou quand...
Ça, mais c'est n'importe quoi. Je vais peut-être accélérer un peu. Oh merde, un feu électrique. C'est où l'arrêt d'urgence? Non, c'est pas ça que je veux. Oh merde. Vas-y, ouvrez les portes. Eh, j'ai plus mon curseur. Pourquoi j'ai plus le curseur? Ah, ça y est. Vas-y, comment je fais? Alarme. Éteindre l'alarme. Feu. Mais attends, je voudrais ouvrir les portes, moi. Descendez, les gens. Il y a le feu, mais c'est pas grave. Ça gêne pas. Bon, écoute, je ferme. On va aller jusqu'à la prochaine station. Je comprends rien au jeu. Il y a un feu qui se déclenche, mais... Je connais pas la procédure d'urgence, moi. Oh putain, merde, par contre, je suis vraiment en train de cramer, les gars, là. Je sais pas ce qui se passe. Je pense que le jeu va s'arrêter là. Bah ouais. Il se met en arrêt. Break, cooling, fire. Ah ouais, attends. Ouvrez les portes, là. Faut qu'ils descendent, les gens. Comment je fais pour quitter en fait le truc? Je dois quitter mon siège, moi, en fait. Je comprends rien, je suis en train de cramer. Ah, c'est pas le moment de klaxonner, mec. Ah si, exit train, ok. Enfin, j'ai pas compris pourquoi le train a pris feu. Bon, voilà, et bah écoutez, j'ai rien compris au jeu. Je ne sais toujours pas ce qu'il faut faire à part. Voilà, aller conduire le train. Sans lui faire prendre feu. En mode clodo. Mon personnage a faim, il a soif, il a une baisse d'énergie, il a peut-être envie d'aller pisser, j'en sais rien. Pendant, ça fait 3 jours qu'il a pas pissé ni chié, mais. Ah, il y a une boîte de nuit par là. J'entends la musique. Tu peux aller là-dedans ou pas? Non. Furniture store. Je peux aller pioncer ou pas? Non. Putain, on peut acheter des trucs pour notre sous-sol, pour notre cave. Eh, ça fait un peu chicos, hein, pour un clodo venir. C'est un peu bizarre quand même. Tu as un système d'extinction. L'un des boutons noirs à droite. D'accord, bah je le saurai pour la prochaine fois. En même temps, c'est vachement logique hein, d'avoir... Il faut arriver à l'heure pour recevoir de l'argent. C'est vachement logique d'avoir un train qui prend feu comme ça, quoi. Qu'est-ce qu'il raconte, lui? Oula. Oh putain, en plus, faut se taper des dialogues et tout. Moi, je veux juste acheter, moi. Qu'est-ce qu'il me propose? T'as pas un truc à bouffer? Voilà, très bien, ça. Je vais te prendre un petit soda, 12$. Et j'ai combien? Où est mon argent? Je vois rien en fait. Comment je fais? Attends, setting, contrôle. Ah, peut-être dans l'inventaire. Inventaire, 0$. D'accord, j'ai pas une thune. Donc il faut que. Ouais, ok, j'ai compris. En gros, comme tu disais, le furtif. Peut-être que j'aille travailler pour gagner un peu d'argent. Achète des habits. Pourquoi ça change quoi? Où était l'entrée du métro? Putain, je m'en rappelle déjà plus quoi. Ah, ok. Laura. Ça sous-entend que t'as acheté le jeu, le furtif breton. Allez, on retente. C'est parti. Non, il faut enlever le frein à main d'abord. Alors, c'est où? Parking break. Ok. Allez, go. Mon mec est en train de crever. Il y a le niveau d'hydratation et de nutrition qui est au plus bas.
Allez, on va essayer de se faire une vraie journée en respectant les temps. Ah merde, c'était le. C'était un ouvrier, il fallait peut-être le klaxonner. Pas pourquoi. Ah merde, il repart en sens inverse ce con. Stop zone. Ah oui d'accord, quand je garde la barre espace appuyée, monsieur, il part en marche arrière. Ok. Faut comprendre hein. Est-ce que j'ai une canette dans mon inventaire? Ouais je pense. Attends, je vais faire partir le train déjà. Qui boit une bière en conduisant quand même. Oh bordel, je... Oh non, je vois tout flou. Putain, j'aurais pas dû boire la bière. Oh bordel. Putain, mais qu'est-ce que tu m'as fait faire, Mister Doudou? Ah si, je vois l'arrêt quand même. Avec 45 secondes, 50 km/h max, ok, bon on va essayer. Eh regardez, ça commence déjà à prendre feu. Où est-ce que t'as vu qu'il y avait un truc pour éteindre? Je voudrais pas dire mais ça commence déjà à prendre feu là. Je vois de la fumée devant. À gauche. Mais... Attends, je vais regarder parce que là ça va pas là. Je suis déjà en train de cramer là. Ça se sent. Voilà, bam. Putain, c'est pas possible quoi. Alors, où est-ce que t'as vu? À gauche, là-dedans là. Ah oui. C'est très rassurant pour les passagers, ça. C'est quand même particulier, hein, ce truc, hein. Principe du jeu. Qu'est-ce que tu fais dans le jeu? Alors, tu dois avancer et de temps en temps, quand ça crame, tu dois appuyer sur un bouton. Mmh. C'est un peu ennuyant quand même hein, de conduire le métro dans ce jeu-là. Ah merde, je vais trop vite. Ah non, speeding fine, ok. Ah, j'ai gagné 11$. C'est cool ça. Ah, il y a quand même une signalisation à respecter. Un minimum quoi. Je sais pas il y a combien d'arrêts par contre. Bon, le mec a bu une bière tout à l'heure mais hydratation c'est toujours au plus bas. Hein. Bon, je pense que je vais crever avant la fin de. Avant l'arrivée en fait. Mais il n'y a pas de tuto, il n'y a rien, on n'est pas guidé dans le jeu, c'est. Bon, si on peut appeler ça un jeu. Moi si le but du jeu c'est juste de con.
Juste de conduire comme ça une ligne de métro, ça va vite être désinstallé ça. Continuer la route jusqu'à la fin, d'accord. Pas de soucis. Ah, un copain. Coucou. Est-ce que ça me donne des thunes en plus quand j'avertis un ouvrier comme ça? Oh oh, je crois qu'il y a... Ralentir, ok. C'est quoi ça? C'est ça l'arrêt? Ok, je suis rémunéré en chips et en cigarettes. Non mais c'est une blague. Putain. Hey, j'ai gagné... Non. J'ai gagné 100$. Ah mais non, en fait, ça c'était des excès de vitesse. Je m'en suis bouffé 4. Donc on m'a retenu 26$ sur ma paye. Ok. On a un système d'XP. D'accord, pour avoir une nouvelle licence, donc un nouveau permis pour avoir un autre métro. Ok. Il m'en reste 2300 et là j'en ai gagné 200. Ouais, ça va, ça peut aller vite quand même. Ouais, je sais pas si je vais vraiment m'éterniser hein, sur le jeu. Ok, donc j'ai 100 balles. Qu'est-ce que je peux faire avec 100 balles? Ah, This is the Voice. Ah non, ah, ça ressemble un peu quand même. Eh, hey, de jour, les décors sont quand même... Attends, il se passe quoi, là? Pourquoi tout est flou? Ah, merde! Je suis en hydratation, Je suis mort, en fait. Enfin, je sais pas. J'en sais rien. Je sais pas ce qui s'est passé. Vas-y, fume une clope, mec. Ça va repartir. Bouffe un paquet de chips aussi. Hop. Peut-être même un deuxième. T'as le mec, il est nourri aux chips. Ah, ça repart. Par contre, il faut que je trouve un truc à boire, quoi. Attends, hydratation? Je peux aller là-dedans pour m'hydrater? Non. Non. Spawn ça où ça? Attends, on va essayer de se trouver une boîte de nuit ou une connerie comme ça. Enfin, une boîte de nuit de jour. Alors, je suis là. Hop, on va faire... Merde, attends. Comment je fais pour quitter ça? Ça doit être là-dedans, non? C'est ça. Une boîte de nuit. On va peut-être pouvoir aller boire un coup là-dedans. Peut-être même plus si affinité. Ah, il est essoufflé, mon gars. Je peux plus courir. T'inquiète, on va prendre un petit remontant, tu vois. Putain, les décors sont pas mal. Hein. Avec le son, avec une petite réverb là. Oh, je vais peut-être pas me frotter à Monsieur Carlos. On peut lui acheter des trucs, on peut vendre. T'as pas un truc à bouffer? Bah tiens, un petit hot dog. Ah, putain, merci. Si t'avais un truc, un petit café aussi, ou... Pff, oh, attends, on va plutôt boire un verre à l'intérieur. Je vais quand même me bouffer un hot dog. Ah, ça donne un petit peu plus de points qu'un paquet de chips. Alors, payer 20$. Oh bordel. Oh bordel, les mecs, je vais me faire censurer par Twitch. Bon, c'est le petit espace récréation, hein, visiblement. On peut lui acheter des trucs. Putain, le son est vachement fort, par contre. Je sais pas pour vous, hein, mais... Putain, j'ai mis le son à 20% et c'est hyper fort. Un petit verre d'eau.
On va peut-être prendre autre chose qu'un verre d'eau, non? C'est quoi ça? Du vin, 80$. Aïe. Des sushis, 40$. Waouh. Par contre, je comprends pas pourquoi la serveuse, on peut lui acheter des tables et des chaises. C'est un peu bizarre. Hein, un ticket de loterie. D'accord. Bah, je vais prendre ça plutôt de la flotte. Excuse-moi, nous n'avons pas les mêmes valeurs. Ouais, ok, on peut discuter un petit peu et faire du social avec. Bon, lui, ça va, il est bien, lui, Leon Dusk. Salut, Mr. Dake. Song name. Alors, en fait, y'a rien. Ah, d'accord, on peut ajouter ses, des points au GG ou du wave. D'accord. Tu es pourchassé, ça... Hein? Mais non, purchase. C'est pour acheter des trucs, pas pour chasser. On a un étage. Où est-ce qu'il a vu un étage? Où est-ce qu'on y va à l'étage surtout? Ok. J'ai compris. Je suis pas sûr que ce soit vraiment la discothèque là après. Ça va être pour faire autre chose. En fait, c'est une pute, quoi. Je sais pas quoi lui répondre. Ok, j'ai pas le droit, adulte. Pourquoi on peut pas? C'est abusé. Contenu adulte non disponible. Moi, je comprends pas. Je suis pas assez lâche quand même. Bon, ok, on voit un peu le genre de jeu en tout cas. Bon, je pense qu'on va se barrer. J'ai payé 20 balles. J'ai payé 20 balles pour rentrer, les mecs, alors rincez-vous un peu l'œil hein, quand même. Ah, ça, ça m'intéresse. Peut-être aller aux chiottes avant de partir. Le mec ne fait que tirer la chasse d'eau. Il va même pas faire son cake ou... Non. Je pense que je vais me barrer parce que... Et toute sortie est définitive ou pas? Faire. Si je me barre, je reviens. Ah non, ça va. J'ai le tampon pour la journée. Ah.
C'est cher 6$ pour changer la musique, ouais, un petit peu. C'est quoi le principe du jeu? J'en sais rien. Conduire un métro, et en fait, quand tu conduis pas le métro, bah c'est de faire un peu n'importe quoi dans une ville. Oh, c'est quoi ces nuages dégueulasses? Ça fait bizarre. Bah voilà, t'es dans une ville, t'as une map, tu peux acheter à bouffer, aller te payer une pute ou aller dormir. Sinon toi tu vis dans une espèce de cave, là dans un caniveau. Et j'en sais rien. Je sais vraiment pas ce qu'il faut faire. Je sais pas s'il y a une fin, il n'y a pas de but en fait. C'est de l'open world un peu misérable. Je peux plus courir, mon mec est essoufflé. Ouais, là, le truc de métro là. Alors attends, c'est où? Non, c'est de l'autre côté là-bas. Je vais essayer quand même de retourner travailler. Refaire une ligne de métro pour voir. Je peux plus courir. Le mec, il est encore en hydratation. Putain, mais il boit comme un trou, quoi, le gars. Il est encore tout bas en hydratation alors que il vient de se vider une bouteille. Attends. Hop. Voilà, je vais me boire une bouteille d'eau. Hop, ça va mieux. Fume-toi une petite clope aussi. Pas d'équipe. Toute façon, on s'en fout, on voit pas le personnage. Ah si, il est en 4 buts. non, vas-y, remets ton pantalon quand même. Et si on enlève les grolls? Ah ouais, je suis pieds nus. Bonjour, je suis votre chef. Attends, attends, je vais aller travailler à Welp. En cas de but. Voilà. Salut, tout va bien? Ouais, tout va bien. Est-ce que je peux aller travailler comme ça? Est-ce que le jeu est à peu près réaliste ou pas du tout? Ouais, on peut aller bosser en cas de but. En gros, c'est un RP. Je sais pas si on peut appeler ça un RP, mais. C'est un peu spécial. Alors, il y a le frein à main encore, ok. Je préférerais quand même faire un petit train sim world hein, si j'avais le choix. Ils ont fumé les devs, ouais. Je sais même pas qui développe ça. J'ai rien regardé sur la fiche du jeu, mais rien du tout. J'ai juste regardé s'il y avait des nouvelles simulations et j'ai vu Metro Sim Hustle, et voilà. Mais en fait c'était pas du tout c'était un peu aguicheur hein. Il y avait une capture d'écran comme ça sur la fiche du jeu où on voyait donc on se voyait en train de conduire le métro. Je me suis dit bah c'est bon, c'est pour nous ça, c'est pour la chaîne. Mais en fait pas du tout. Le seul truc que j'aime bien dans la conduite, c'est que le machin freine super bien. Rien à voir avec Train Sim World. Bon, je pense que je vais pas m'éterniser sur ce jeu, hein. Vous m'en voudrez pas. Hein. Mais c'est pas du tout mon genre de jeu. Alors, pas du tout, du tout. Oui, oui, en clodo en plus. Ouais, bon, là, dommage, on voit pas le personnage. Mais je vous rappelle quand même que là, je suis en slip en train de conduire le train. Alors, pas moi, hein, le perso. Clodo, un copain Clodo. C'est un ouvrier mais il est habillé comme un Clodo. D'accord, on voit le genre JB, ok. Donc en fait, c'est un prequel de leur simu de barman, quoi. Aïe, 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 aïe. En même temps, qui voudrait éditer ça? Même Playway n'en voudrait pas. Ah, tiens, c'est déjà en train de cramer. Alors attends. C'est où le truc pour... Merde, c'est où? Oh. On éteint le feu. Tu fais trois freinages, faut éteindre un feu. C'est super.
Je suis en retard. Oh putain. Ouh là, c'est pas bon. Si. Ah, il freine vraiment bien le truc. Je sais même pas, regarde Zarm sur le sur la fiche Steam si c'est de l'early access ou pas, mais je crois pas. Hein. Non, parce que je crois que le jeu est sorti en 2019. Donc non non, il doit être il est fini, il est complet. Ah, je me suis fait flasher. C'est pas vrai ça. Ils vont pouvoir se les garder là où je pense, leur simulant. Ah, tu m'intéresses, JB. J'allais voir ça quand même juste pour le fun, attends. On va pas désinstaller le jeu sans avoir regardé le contenu adulte. C'est pas possible. C'est bien Early Access. Ah bon? Et il compte le finir un jour ou ça va rester en l'état? Non, mais de toute façon, tu fais pas jouer ce jeu là à des gosses, hein. À part pour la partie métro, mais en dehors du métro, c'est un peu du gros n'importe quoi en ville. Hein. Ton mec passe son temps dans des égouts, à picoler, boire, fumer. Stop, 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 stop. Excuse-moi, mais je préfère que mes gosses jouent à une autre simu quand même. Ça y est, c'est terminé. Donc j'ai fait 3 arrêts et ça se termina. Eh bah ouais. Ouais bah justement, GTA, mes gosses ils sont pas prêts d'y jouer. Pas tout de suite. Tiens, est-ce qu'il y en a dans le chat là qui joue à Mafia, Mafia 3? Je l'ai installé là, mais j'ai jamais joué. J'hésite à me lancer un peu là-dessus, mais... J'ai lu les critiques et apparemment c'est pas ça quoi. Pourtant le jeu a l'air beau, ça ressemble un peu à du GTA justement. J'ai encore gagné 2 paquets de chips et un paquet de cigarettes, les mecs. Ok, on se retrouve encore de nuit. Tu dis le contenu pour adultes? Ouais, mais attends, parce que on n'a pas le droit de montrer un téton sur Twitch, alors tu penses pas que je vais m'amuser à montrer le contenu pour adultes, hein. Tiens, on peut faire les poubelles? Non. Oh là là, je sais même pas où j'habite dans le jeu. C'est où? C'est là? Non. Entrée. Ah, on peut. C'est pas vrai. Comment je fais? Ah oui, d'accord. Ok, il y a le gros bouton. Aïe! J'ai pété mon... Bon, tant pis. Salut, gros balèze. On peut parler à n'importe qui comme ça? C'est subtil hein, les dialogues, hein. Faut comprendre. Hein. Bon, en gros, il me dit d'aller me faire foutre quoi. Ok, bon. Allez, je me casse parce que
Bruce Glutman n'a pas l'air d'être très commode. Tutorial club. Ah, y a des tutos quand même. D'accord. Où est-ce qu'il y a une boîte encore? Ah bah il y a une autre. Ah tiens, je peux prendre un truc à boire. Ouais, ça me coûtera moins cher 3$ que de prendre une bouteille d'eau à 12$ dans le club. Ah bah une fontaine à eau. Et comment je fais pour... ça marche pas. Mon hydratation ne remonte pas, je comprends pas. Attends, il n'y a pas un truc pour... Interact E, inventaire, flash map. Je voudrais boire en fait. Ah si, mon hydratation est remontée un peu, elle est repassée au vert, elle était au jaune. Vas-y, on va rester là. Hein. Faut que je bouffe un truc par contre là. Bouffe des chips, mec. Ouais, je vais faire un petit tour dans le casino, on va voir. Attends, je continue de boire, comme ça dans 2 secondes le mec va avoir envie de pisser comme il n'y a pas. Je vois que mon énergie est au plus bas, il faudrait peut-être aussi que j'aille dormir. Bon, attends, on va faire un tour au casino. Entrée. Ah, c'est gratuit d'entrée, ça c'est cool. Franchement, les décors, ils sont plutôt sympas, je trouve. Ah, mais je sais pas jouer, moi. Je veux bien essayer, mais je sais pas jouer. C'est quoi comme jeu, ça? Blackjack? J'ai perdu 100$. Je me casse, les gars. C'est pas pour moi. C'est vraiment pas pour moi. Je peux pas me faire une machine à sous, là, vite fait? 150$. Putain, mais je vais me ruiner, les gars. Oh, putain. J'ai gagné 1$. Ok, je me casse. Combien que j'ai de thunes, là? 80$. Ok, j'ai perdu ma journée de boulot là-dedans. On peut aller parier sur quoi? Des chevaux? C'est rigolo, ça. Ah oui, d'accord. On mise. Et là, prochaine course dans... 5, 4, 3, 2, 1. Eh, j'ai gagné. Non? Attends. Vas-y, le jaune, là. Putain, il se fait rattraper. Combien je gagne? Normalement je gagne des thunes. Quoi? Bah, j'avais misé 5 sur celui-là? Sur le jaune? C'est de l'arnaque votre truc. Je me casse. Faut être le plus proche de 21, c'est le blackjack. Et faut pas le dépasser, c'est ça? Bah, n'empêche que j'ai 18 et j'ai perdu 30... Non, 100$. Bon, faut que je retrouve mon endroit pour aller dormir par contre. Parce que là, mon mec a plus du tout d'énergie. Je peux même plus courir, je peux plus rien faire. Attends, c'est quoi là? Je peux aller? Non, c'est fermé. Allez, je sais pas ce qui s'est passé, le jeu a planté, mais
ça m'a planté le jeu, j'ai eu la fenêtre Fatal Error, et boum, je suis tombé, ça m'a coupé le PC. Le PC vient de rebooter là. Ça revient. Ah non, si, si, normalement je suis là. Enfin, je crois. Bon, je vais quand même juste regarder un petit truc. On va regarder le contenu adulte. Non, quand même. Je vais à la con, mais carrément. Il m'a complètement planté le PC, quoi. Crash du PC. Petit écran bleu. C'est sympa. Attends, je quitte un peu toutes les. Hop là, toutes les conneries. Je vais relancer Steam. Bon, vous en pensez quoi sinon de ce jeu? Il y a un peu tromperie sur la marchandise quand même, hein. Metro Sim. C'est un petit peu. Enfin, je trouve que c'est un peu trompeur quand même. Je vais aller quand même regarder la fiche Steam vite fait. Alors attends, Metro Sim. Ok. Où est-ce que t'as vu, je sais plus qui a dit tout à l'heure. C'est l'incendie qui s'est étendu, tu m'étonnes. Elle déconne pas, en plus ce matin, j'ai fait le. Premier truc que j'ai fait ce matin, j'ai pris les deux tours là, je les ai emmenés dans le garage, j'ai branché le compresseur et j'ai tout passé à la soufflette, purée. Je dis pas que j'étais pas loin de l'incendie, mais quand même. Où est-ce que t'as vu qu'il y avait le contenu en DLC? Moi je le vois pas. Hein. Bon, de toute façon, on s'en fout. On va pas, je pense pas qu'on va se. Dans les DLC sur la fiche Steam, putain, mais je ne vois même pas ça, quoi. Tu vois, il est bien tagué simulation quand même, hein, dans le truc. Mais c'est pas une simulation, c'est un GTA-like à moitié le truc en vue première personne. Jeu en accès anticipé, ouais, mon cul, oui. Je vois pas, hein. Je vois pas où est-ce que t'as vu. Ah si, il est là. En tout petit. Il est caché. Vas-y, télécharger. Ouais, mais non, mais de toute façon, non, non, je vais pas mettre ça. Je vais pas streamer ça, les gars. Je vais pas streamer ça, c'est pas possible. Merde, qu'est-ce qu'il me fait? Non, 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 vas-y, quitte le jeu. Je vais pas streamer. T'es fou, toi. Il y en a qui se sont fait déglinguer leur chaîne Twitch pour moins que ça, hein. Ah, mais en fait, il était déjà installé. Je comprends pas. Attends, je vais revenir en jeu. On va faire comme ça. Attends, si le truc veut bien me repérer le jeu. Ouais. Ok. New game, load game. Bah, mais j'ai pas de sauvegarde. Putain, mais. Ah, on peut choisir. J'avais même pas fait gaffe en fait. Au début, on pouvait choisir. On va reprendre Ivan. Ouais, mais pour pouvoir rentrer, il va me refaire encore des thunes, donc il va falloir que je refasse du métro. Donc voilà ce que je vous disais hein, tout à l'heure. Hein. Enfin, on est lâché dans la nature dans le jeu. On commence, on est dans le caniveau, quoi, et démerde-toi, quoi. Il te dit juste, voilà, t'as un plumard, tu peux dormir là. Toc, t'as un téléphone. Alors, on a un clochard, mais on a un super téléphone. Hop, où on peut. Je sais pas. Discuter avec des gens. Métro. Ah, c'est le tuto en fait. Ah. D'accord. Bon, on s'en fout. Allez hop. Tutoriel résidence. Bah attends, déjà avant de me payer une résidence, mon pote va peut-être falloir que je passe quelques heures dans le métro, hein, parce qu'à ça coûte 100 $. Vous avez pas l'impression de glisser un peu par terre, monsieur? Il y a une savonnette par terre, vous avez marché sur une peau de banane? Non? Bon. Il y a des flics quand même. Ah tiens, ouais, non, ça on s'en fout. Est-ce qu'on peut faire chier les flics? Ah, je peux même pas leur courir après, quoi. Où est le métro? Il est là-bas. Ah si, tiens. D'accord, faut éviter de se trimballer avec trop de drogue en fait. Genre lui, visiblement, on a pris un petit peu trop, quoi.
Ça donne pas envie d'aller bouffer des pizzas chez lui. Hein. Et alors attends, parce que là j'ai quand même remis une partie. J'ai mis chargé de niveau. Mais en fait, comment on fait pour sauvegarder? On peut même pas. Contrôle, y a rien pour. Y a rien qui met. Y a pas de touche pour sauvegarder. Exit game. Les progressions non sauvegardées seront perdues. Bah, je veux bien, mais n'empêche que tout à l'heure j'ai quand même fait quelques parties dans le métro et ça m'a pas sauvegardé pour autant. Hein. Si je veux bien commencer une partie moi de ce jeu là, mais si c'est pour jouer une heure et à chaque fois être obligé de redémarrer. Oh putain. Get big or die train. Bah, je vais pas le faire chier lui, je pense. T'as pas des stéroïdes, mec? Allez, un petit peu, vas-y, donne. Non? Alors, ok, lui, ça va bien avec la musique. Mais lui, pas trop, hein. Il fait quoi? Charleston? Oh putain. Et encore, This is the Voice. Putain. Aïe, 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 aïe. V-Man. Exit to main menu. Je pense qu'on va faire exit le jeu tout court. Non, non, il me met pareil. Hein. Je peux rien faire. Bon, j'aime refaire vite fait un parcours pour prendre 100 balles au passage et je vais retourner vite fait dans la boîte voir ce que ça raconte. Z, ah, attends, la touche Z pour relâcher les freins. Ah, bah voilà, fallait me dire. M pour accélérer. Ouais, mais je suis en clavier US, hein, mec. Alors, c'est virgule pour moi. Allez, vas-y, roule. Pas con, ça, Darktoon. Endormant. Sûrement. Ça doit être ça. On va aller voir. J'irai peut-être pioncer un petit coup. Je vais recommencer un peu ma partie en espérant que mon PC ne me lâche pas. Je sais pas du tout pourquoi il a lâché comme ça d'un coup. Attends, on va lui faire bonjour. Hop. Allez, excès de vitesse. Merde, putain, faut freiner. Oh, ça freine trop bien ce truc. Oui, bah, laisse-moi m'arrêter, mec. Arrête de me foutre des. Toc. Wow. Joli. C'est bon? J'ai le droit de me barrer? Non, faut attendre encore. Ça grimpe. Tut. Allez, on se fait nos trois petits arrêts et puis on va aller voir un petit peu. C'est vrai, où est-ce que t'as vu ça, Nat? Parce que justement, hein, c'est une 3070 que j'ai dans la bécane là. Pourtant, le jeu tourne sur Unity, donc Unity est quand même assez stable avec les cartes Nvidia de manière générale. Il aime bien, même j'ai envie de dire, les cartes Nvidia. T'as le jeu. Pour les vacances, attends. Hop. Bah, je dirais un petit Farm Manager 21 pour les vacances. Moi, c'est celui-là que je vais emmener en tout cas samedi. Sur le PC portable, je l'ai mis. Et puis j'ai mis Firefighting. Je me dis que pendant les vacances, s'il pleut et que j'ai un bout de 4G, peut-être que Kevin voudra faire une petite, un petit multi avec moi, je sais pas. Mais ouais, en gestion tranquille pour les vacances sans trop se faire chier, Farm Manager est super bien pour ça. Oh putain, oh le freinage est loupé, oh le freinage est loupé. Ok, hop, demi-tour. Ça marche? Ça marche. Pourquoi je peux pas ouvrir? Ah si, c'est bon, ça charge.
Allez, dernier arrêt, je pense. Puis ça va être bon. Ah, excès de vitesse? Non, c'était marqué 40 km/h et je suis à 30, 38. J'exagère. Normalement, c'était le dernier arrêt. Ah non, ça grimpe encore. Bon, il doit m'en rester un et puis ça va être bon quoi. Max, on va essayer de respecter. Bon courage, Nathan. J'ai reçu un texto. Alors, comment que ça marche? C'est où les messages là-dedans? Messages, attends. Ouais, je verrai ça après. Fermer les portes, ok. Par contre, c'est con que le jeu soit pas en français, par contre. Bah attends Kevin, je vais te montrer le ticket de métro. Mais pas le ticket de métro que tu penses. Enfin si, peut-être plutôt celui que tu penses en effet. Ah oh, j'ai trouvé 5$ par terre, un hot dog. Là il va le bouffer quand même. Et 7$. C'est mieux que les paquets de chips et les M&M's que j'avais tout à l'heure. Hein. 282 points de skill, ok. On va aller tester un truc, on va aller dormir pour voir si ça fait la sauvegarde. Et puis après on va aller voir en boîte. Où est-ce que je trouve... Attends, où est mon fief? Ça doit être par là je crois. Ça va les gars, on n'est pas fatigué? Merde, je me rappelle plus où est-ce que j'ai démarré le jeu en fait. Chiotte. C'est peut-être par là. Non, c'est pas ça. Merde. Je me rappelle même plus où est-ce qu'on spawn au début. Pff. Ouais, c'est pas grave. Ce qui nous intéresse, c'est d'aller à l'étage. Chichon leur fait effet, tu m'étonnes. Ok, allez. Bonjour, gros balèze. Hop, on va direct. Alors non, c'est pas au chiotte que je veux aller, c'est à l'étage. Sous l'étage. Là.
Vous m'en voulez pas, mais je vais juste faire un truc. C'est que je vais me mettre comme ça parce que je vais... Eh non, il me remet encore... Attends. Je vous remets le jeu. J'ai vraiment pas envie de me prendre un strike par Twitch, vraiment. Je vais discuter un peu avec elle d'abord. Je comprends pas trop en fait les dialogues là. Je sais pas trop où est-ce qu'elle veut en venir. Ça, elle me dit qu'elle peut danser. Mais non. Non, pourtant j'ai bien lancé hein, JB le truc. Hein. J'ai bien lancé le mode. Le mode adulte, mais. Non. Ce sera pas pour cette fois, les gars. Désolé, pas de rinçage de deuil ce soir. Ce matin, enfin, je sais pas, il est quoi, il est soir là dans le jeu? Non, ah, c'est assis, vous pouvez regarder celui-là si vous voulez, mais tiens, allez, je te file 5 balles. Là. Bon, on va essayer de retrouver un petit peu le bah là où j'habite. En fait, j'en sais rien du tout. Ah, c'est peut-être là, bah non, ça s'est fermé. Utiliser le smartphone pour louer un appart. Et on fait ça comment? Hôtel. Pff, 100 dollars la nuit? Mais je les ai même pas. Ouais, laisse tomber, je vais redormir dans le sous-sol, hein, dans le souterrain. Le truc c'est où est-ce que j'habite quoi? C'est peut-être ça, non? Non. Ah, peut-être. Non, j'en sais rien. Ah si, c'est ça. Alors, où est mon matelas? Ça, c'est mon bureau. Mes chiottes. Ah, et puis c'est un coup. Hop. Pour une petite douche. Et là, Kevin qui a débarqué sur le stream, qui avait pas vu le début, il est en train de se dire « C'est quoi ce jeu ?» Ah tiens, dormir et sauvegarder. Allez, on va le faire. Je sais pas si je vais jouer en fait à ce jeu. Je sais pas, il y a ma curiosité qui me dit « Vas-y, essaye encore un petit peu. » Et puis d'un autre côté, je me dis « Mais putain, si ça... Il y a tromperie sur la marchandise, quoi. C'est pas un jeu de simulation de métro, c'est tout sauf ça. » Et puis le fait que tout soit en anglais, j'ai un peu du mal avec les dialogues quand même. C'est assez, assez subtil quoi. Et graphiquement par contre, le jeu est quand même pas dégueulasse. Hein. Les bâtiments, tout ça... C'est un clodo le mec, exactement. Tu commences, t'es un clochard. Donc regarde, t'es habillé comme un gros clodo. Et tu peux même te foutre à Walp. Regarde. Hop, t'appuies sur I, tu peux dire, bah j'enlève les chaussures. J'enlève le pantalon et j'enlève le t-shirt. Et voilà. Et tu peux aller prendre ton service en métro comme ça. Y a pas de problème. Tiens, tu peux même faire les poubelles. Ah bah tiens, un bout de pizza. Bon, on va prendre. Voilà. Clodo Simulator. Ça donne vachement envie de... Enfin, je sais pas. Tutoriel. Ouais, les PNJ, on s'en fout un peu. Pour le moment. Est-ce que je peux coller une bagnole? Non, je peux pas. Est-ce que je peux aller dormir dans la poubelle, s'il vous plaît? Non, y a rien.
Vous voulez pas acheter des trucs, les gens, là, que je puisse récupérer des trucs à bouffer et à boire? Oh, toi, tu me parais bien louche. Bon, en gros, faut faire du métro à gogo pour gagner de la thune et faire n'importe quoi. Genre là, tu vois, ils ont un mec qui... Ça va, ça vous gêne pas, je suis à poil devant vous, mais ça vous gêne pas du tout, quoi. Pff, comment faut faire pour se faire arrêter dans ce jeu, parce que là... Eh oh! Ok. Super. Salut. Tu serais pas la copine à Kevin, toi? Sharklaw Simulator. C'est un peu ça. Un peu de drogue simulator aussi quand même. Bon, on va aller voir ce qu'il a pris parce que visiblement ça marche bien. On va aller regarder un petit peu. Ok, à mon avis, lui il boit pas que des... Que du Red Bull là-dedans. On a quoi? On a un micro-ondes. Qu'est-ce que tu vends toi, Jacob? Attends, de la cocaïne. Non mais c'est quoi ce jeu quoi? Alors vas-y, on va essayer. Use. Ok. Oh putain, ce bruitage. Je suis me chichon. Attends, je vais faire mieux. Je vais carrément me faire un rail sur le capot, le capot des flics. Bonjour. Ça te dit un petit rail? Regarde. On va faire une overdose. Pof. Non, ça, non, pas de problème. Ça change juste un petit peu la vision, mais je dirais pas plus que quand tu bois une bière. Ça, la bière, c'est horrible par contre. Le mec, il peut se faire 3 rails de coke, y a pas de problème. Putain, quand il rote, on dirait Kevin. Mais par contre, il se boit une bière, le mec, il est défoncé quoi. Je vais regarder ce qu'il y a là-dedans. Au pire, viole une dame. Non, on peut pas, ça. Je vous rappelle quand même que je suis en slip. Mais que je suis parfaitement accueilli. La réceptionniste qui peut te vendre du mobilier, du déodorant. Pourquoi pas? Ce jeu n'a aucun sens. Des bougies? Ah non, du iced tea. Des sushis. Moi, je veux bien des sushis, tiens, vas-y. Et sinon, on doit faire quoi dans le jeu, là? Toutes les portes sont fermées. Ah, l'ascenseur? Ouais, allez, on va faire un petit tour. 12e étage. Je vous rappelle que nous sommes dans Metro Simulator, quand même, hein. Ouais, ce Spectrum, bah, il est en train de télécharger okay, sur l'autre PC là. Ah. Ah, utiliser. Ouais, mais attends, non, il me faut. J'ai que 48 dollars. Enfin, 48 euros. Alors, un coup, cette marque dollar. Attends. Là, cette marque dollar, mais le smartphone lui dit c'est en euros. Ouais, la conversion n'est pas trop la même, hein, normalement. Les mecs, plutôt que de développer un jeu, ils ont développé Android. Ils sont rigolos. Red Dead, c'est carrément mieux, mais ça n'a rien à voir, quoi. Ah, mais il y a des numéros, quand même, pour se repérer. D'accord. Est-ce qu'on peut se jeter de la falaise, là, histoire de terminer la partie? Bon, de toute façon, on peut pas truander. Le mec, il s'amuse à aller... partout crocheter des serrures, mais il n'est pas capable d'ouvrir une porte dans un hôtel. Pas possible ça. Oui, chez Giant Software, ils ont un peu du mal aussi avec l'euro dollar.
Salut toi. Mais je sais pas elle que j'ai croisée tout à l'heure, Natasha Bentley. Oh, j'ai gagné des points. Ouais, plein de points. Peut-être qu'elle va m'inviter dans l'hôtel. Ah non. Merde, ça a diminué. Oh putain, c'est encore pire. Ok, super. Bon, moi, bah, je me suis fait dégager. Parce que j'ai pas eu le temps de lire des dialogues. Si, 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 c'était la même. Eh, re tout le monde, eh, ça s'invente pas quand même. Putain, le PC a encore planté. En 2 secondes, ça me pop une fenêtre comme quoi le jeu a planté. Et ça me coupe net le PC derrière. Donc le PC vient de redémarrer. Non mais c'est quoi ce bordel? Bon, vous savez ce que je vais faire? Je pense que je vais le désinstaller tout de suite. Vous n'aurez pas d'autres aventures sur ce jeu, c'est pas la peine. Hein. On va pas s'exciter sur un jeu qui marche pas. Hein. Bah, même pas le Blue Screen of de la mort, hein, c'est. Non, c'est pas de blue screen, j'ai juste un pop-up qui me dit le jeu a planté, c'est la petite fenêtre Unity avec le rapport d'erreur, ça apparaît une seconde, même pas, et bam, le PC reboot, mais reboot coupé quoi. Poubelle, Jaco, exactement, je le dégage tout de suite, hein, ça sert à rien de garder ça. Je sais pas combien le jeu est vendu, mais n'achetez pas ça, c'est pas possible. Steam, il est où Steam? Bon, si vous êtes sage, peut-être cet après-midi, je ferai un autre stream, je vais voir. Je sais pas sur quoi, peut-être si Monsieur Kevin est là, je voudrais bien qu'on termine Firefighting Simulator quand même. 15 balles! 15 balles, ça! En plus, avec un DLC gratuit pour voir des bouts de TT qui marchent même pas. Non, c'est de l'arnaque, hein. C'est des jeux développés avec les pieds, ça. Alors, il est où, Métro? Métro Sim Hustle. Putain, mais comment on peut appeler ça comme ça? Métro Sim, mais c'est pas du tout. Pense à vider la poubelle. Non, mais je vais sur Steam désinstaller, pof. Autant acheter ETS ou ATS avec des DLC, c'est clair. Bon, tiens, qu'est-ce qu'on a d'ailleurs en. Ah, Power Wash. Il y a une petite mise à jour. Ça fait longtemps, tiens, un petit Power Wash. Ouais, mais en stream, c'est pas terrible, Power Wash. Y a rien à dire sur ce jeu, vous allez me regarder balancer des coups de Karcher toutes les 2 secondes. Non, non, je pense à un petit firefighting avec Kevin s'il est par là cet après-midi. Train Sim World 2, on est à jour, Jaco. On est carrément à jour sur les DLC. Maintenant, j'attends Train Sim World 2, j'attends le Cane Creek. Et puis le Rush Hour. Rush Hour qui devrait pas tarder à arriver aussi. Attends, je regarde s'il y a des nouveaux jeux qui sont arrivés ce matin. Super, Metro Sim, non, on va te faire voir. Ah, il y a Sea of Thieves aussi qui est installé, qu'il faut que je teste. Peut-être on fera ça, on va voir. Faut que je joue avec le chef. Bon, et eh ben, SnowRunner. Ouah, SnowRunner, c'est bien si on est 3-4, quoi. À 2, ça devient. On trouve déjà nos limites. On va voir s'il y a du monde de connecté. Il est midi, moi je vais vous souhaiter bon appétit, je vais aller bouffer et puis je vais voir, je vous retrouverai peut-être vers 3h, 3h30 par là. Allez, bon app les gens, ciao tout le monde.